Michel, qui est juste à côté de moi, Michel Boutin, qui représente le projet Alerion Super Mileage ou Super Millage. Qu'est-ce que c'est? C'est un autre projet étudiant, en fait, avec un véhicule. C'est un projet étudiant d'un véhicule à faible consommation d'essence, en fait, très faible consommation d'essence. C'est des étudiants en génie mécanique, génie électrique, génie informatique de l'Université Laval. En fait, on travaille tout au long de l'année pour améliorer notre véhicule, puis on participe à deux compétitions tout au long de l'année. Donc, premièrement, en fait, c'est sûr que le véhicule, quand les gens le voient, c'est pas un véhicule, en fait, quatre roues comme une voiture. Donc, c'est vraiment un prototype de près de 10 pieds de long, pseudo, pour ceux qui me voient. Donc, c'est vraiment une place, véhicule, une place. Mais c'est sûr que, tu sais, c'est l'aérodynamisme qu'on travaille vraiment beaucoup sur ce point-là. Puis, on sait jamais, là, on améliore à chaque année ce point-là. Puis, la deuxième question. Sur le plan humain. Oui. En fait, c'est vraiment motivant, en fait, de travailler dans un projet comme ça. On applique ce qu'on voit dans nos cours concrètement, on voit ce que ça donne. On est vraiment une belle équipe, on travaille toujours ensemble. Puis, ça fait, en fait, du succès à chaque année. Vous êtes toujours ensemble et donc, comme tous les autres projets d'un quelconque véhicule, vous n'avez pas de vie, vous n'avez pas de chum, vous n'avez pas de blonde, vous n'avez pas d'amis. Non, non, mais sérieusement, c'est qu'on met le temps qu'on veut. C'est vraiment de l'organisation dans le temps qu'il faut bien se préparer, mais on a quand même une vie. La façon dont tu m'as dit ça, c'était comme un argument de vente là, à quelqu'un de proche de toi que tu dis ça. On met le temps qu'on veut, donc tout le temps que j'ai. Ah non, 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 mais sérieusement, c'est vraiment un projet étudiant qui, je veux dire, on en rêve des fois d'avoir les compétitions. C'est, on aime tellement ça travailler là-dedans qu'on met du temps et on adore ça. Bravo. Alors, nos félicitations à Michel.